Bonjour, bienvenue dans ce 17e numéro de Mahogany. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour poursuivre et clore le cycle consacré à la protection des personnes âgées. En notre compagnie, Maître Gérard Dorling-Carter. Bonjour. Que les téléspectateurs de Zouk connaissent bien. Mais ils n'ont pas vu depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu et nous sommes justement très honorés de vous recevoir dans Mahogany. C'est votre grand retour sur Zouk TV après une interruption. Spécialement pour vous. Spécialement pour vous. J'apprécie cet honneur à sa très juste valeur, Maître Dorling Carter. Mais vous l'aidez les spectateurs aussi, je peux le dire. J'espère bien. Donc, qui vous auront l'occasion de vous retrouver au cours oui, du kiosque. Je recommence. Oui, très bien. Recommence, effectivement. Et en notre compagnie également, Maître Catherine Ntok-Mustis, qui représente la chambre départementale, interdépartementale des notaires de la Martinique. Maître Ntok-Mustis, bonjour. Bonjour. Donc, avec nos deux juristes, éminents juristes, nous poursuivons notre cycle sur la protection des personnes âgées. Avec Maître Dorling Carter, nous verrons quelles sont les obligations d'un certain nombre de personnes vis-à-vis de leurs parents, de leurs beaux-parents, concernant l'obligation alimentaire. Et avec Maître Ntok-Mustis, nous verrons quelles sont les possibilités de prévenir et de préparer sa retraite et son vieillissement grâce à son patrimoine. Nous avons la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, vu avec Madame Rieux d'Allo Maltraitance quelles étaient les possibilités de signalement lorsque nous sommes témoins de cas de maltraitance vis-à-vis des personnes âgées. Nous avons eu entre-temps une interview, une rencontre avec des responsables du CCAS de Fort-de-France, toujours sur le thème de la maltraitance. Qui nous ont informé des différentes possibilités au niveau de la proximité lorsqu'on était témoin de cas de maltraitance, comment faire et comment saisir les services du CCAS. Nous regardons, avant de nous entretenir avec nos deux invités, cette interview donc avec M. Jean-Joseph du CCAS et avec Mme Dupuis, assistante sociale. Nous nous retrouvons après ces quelques minutes. Vous avez une politique ou des directives générales, que ce soit à l'égard des personnes qui interviennent en votre nom, sous votre responsabilité CCAS, ou vis-à-vis des tiers, enfin une politique de prévention. Disons qu'en ce qui nous concerne, effectivement, nous mettons l'aspect sur deux éléments. D'abord, le personnel que nous avons, bien sûr, nous lui demandons d'être vigilant et de nous informer lorsqu'il y a, selon lui, un cas de maltraitance. Et donc, de ce fait, soit moi-même, mon adjoint, nous nous rendons sur place pour essayer d'évaluer un petit peu cette forme de maltraitance. Nous avons recours au service social qui peut nous accompagner, l'assistance sociale, peut nous accompagner pour effectivement juger de la chose. Et ensuite, notre rôle, c'est d'informer le service d'allomaltraitance. Notre première intervention s'arrête autour de cela. La deuxième, c'est que nous essayons de développer de plus en plus la formation du personnel et aussi l'information des aidants naturels qui sont les familles, les personnes autour, etc. Mais l'idée, c'est pour le professionnel qui peut aussi se trouver en situation de maltraitance par rapport à l'usure, parce que c'est un travail qui est particulièrement difficile. Donc c'est par la formation, par des rappels, par des réunions régulières, des échanges, que nous essayons de faire en sorte, autant que faire se peut, qu'il n'y ait pas, en tout cas dans notre service, de cas de maltraitance de la part du personnel vis-à-vis des personnes, du public, auprès duquel elles interviennent. Voilà. En tant qu'assistante sociale, vous êtes sans doute en première ligne face à une population vieillissante et qui a sans doute besoin de plus en plus d'une intervention sociale. Alors, à quel niveau pouvez-vous intervenir? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a une porte d'entrée qui est celle du signalement au niveau du service d'action sociale. Nous recevons des appels sous forme de signalement
nous indiquant qu'il y a une personne en difficulté, en nous donnant son âge, la situation dans laquelle elle se trouve de manière succincte, si c'est une personne handicapée, si c'est une personne non-voyante, enfin malvoyante, si c'est, bon, s'il y a un autre problème visible. Et à ce moment-là, nous prenons contact donc avec soit la famille ou la personne directement. Tout dépend de la situation et tout dépend des éléments d'information que nous recevons. Donc d'abord, il y a un signalement qui nous est fait par différentes personnes. Ça peut être l'infirmière qui se rend à domicile. Ça peut être aussi un membre de la famille. Peut-être un peu voisin, peut-être un peu dépassé, un voisin, quelquefois l'intéressé, lui-même prend contact avec, avec le CCAS. Mm-hmm. Et à ce moment-là, nous intervenons assez rapidement parce que qui dit signalement dit situation d'urgence, dit précarité, dit souffrance. Et donc, nous attachons du prix à ce que ça soit fait quand même assez rapidement. Alors, en cas de signalement, quelle est la procédure que vous mettez en place pour suivre la personne? Alors, déjà, on évalue à partir des éléments que nous recevons. Mm-hmm. Et nous faisons une visite à domicile. Ou alors nous téléphonons avec les références que nous avons, les références téléphoniques, et nous évaluons à ce moment-là l'orientation de notre intervention, ou comment nous allons nous présenter et procéder à ce recueil d'informations indispensables pour déceler la maltraitance ou les difficultés de la personne âgée. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que nous procédons. Ou alors nous pouvons le déceler aussi lors d'une visite ponctuelle pour une demande annexe. Hein. Ça peut être dans le cadre d'une, par exemple, pour une intervention pour un dossier, une demande d'aide à domicile. Nous pouvons, dans l'évaluation, déceler des points. Voilà. Vous a-t-on signalé des cas de maltraitance? Régulièrement. Régulièrement. Oui, il y a des. Bon, enfin, je dis régulièrement. Il y a des situations qui sont signalées. Nous intervenons à ce moment-là. Hein, donc vous procédez à une enquête. Comment procédez-vous? Quels sont vos outils? Les outils. Alors, comme je vous disais, l'outil. Principal, c'est la visite à domicile qui permet de rencontrer la personne dans son contexte de vie et d'évaluer la situation dans laquelle elle se trouve. À partir, on pose des questions et on repère par rapport à ce qu'on voit et à ce qu'on aux éléments d'information qu'on a. Hein. On fait une évaluation qu'on corrobore avec d'autres éléments de santé, d'autres intervenants qui connaissent mieux. Que nous l'intéresser, on fait des recoupements avec les informations qui sont données par les autres membres de la famille et on y va progressivement parce que, enfin, tout dépend de la situation, mais il faut être prudent aussi, hein, parce que... Oui, faire la part des choses. Voilà. Donc, vous pouvez aussi avoir recevoir des signalements qui émanent de voisins ou de personnes qui n'ont pas tous les éléments de la situation ou qui ont leur vision des faits, et nous aussi on doit protéger la vie privée des personnes, leur intégrité, etc. Donc il faut être très très prudent quand on se rend chez les personnes, à savoir ce qu'on y amène comme information et ce qu'on apporte. Hein. Donc on n'intervient pas de manière intempestive. Dans le cadre de signalement, par exemple, vous pouvez requalifier les choses et éventuellement orienter les personnes vers des solutions qui... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous avez parlé de cette visite à domicile, quand par exemple c'est le personnel. Quand c'est le personnel qui intervient, on a une réaction immédiate puisque nous pouvons y aller et éventuellement dans un second temps nous faire accompagner par l'assistance sociale. Donc on va essayer de recadrer avec la famille quand on voit que c'est quelque chose, j'allais dire, entre guillemets, de bénin. Mais dès lors que ça prend une autre proportion, ce n'est plus notre compétence, nous devons le signaler à la maltraitance. La maltraitance physique, je pense que ça se dit un petit peu, ça se verbalise un petit peu plus, ou ça se voit, ou ça se ressent, ça se sent. Et même la famille le signale. Hein.
elle prend le temps pour le faire, mais quelquefois elle le dit et ça, on intervient. Mais je crois que la maltraitance psychologique est beaucoup plus sournoise et c'est plus difficile à détecter et c'est beaucoup plus fréquent. Quand vous parlez de maltraitance, la maltraitance physique, c'est ponctuel, mais la maltraitance physique psychologique est beaucoup plus présente la précarité, la grande précarité dans laquelle se trouvent bon nombre de personnes âgées, précarité à tout point de vue, il y a l'isolement, etc. Ce qui fait que les personnes se retrouvent dans des conditions de vie extrêmement dégradées et elles sont pas maltraitées par un tiers, mais elles sont dans des conditions de vie qui font qu'elles souffrent, qu'elles sont en souffrance réellement. Estimez-vous que vous êtes outillée, vous, assistante sociale, pour répondre à cette détresse ? Alors, nous sommes outillés, effectivement, pour y répondre, mais nous avons la difficulté du nombre, du nombre de plus en plus important de personnes âgées. Nous avons face à nous l'isolement des personnes âgées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une génération qui a quitté le département, et donc beaucoup de personnes qui ont eu des enfants ne les ont pas avec eux au moment où ils en auraient besoin, sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan de l'aide au quotidien. Et donc ces personnes qui ont eu 2, 3, 4 enfants et qui vivent à 7000 km, ils sont seuls, ils sont isolés dans un habitat qui s'est dégradé et pour lequel ils n'ont pas pu faire grand chose. Et de plus, souvent, quelquefois, ils ne réunissent pas les conditions pour avoir une aide à domicile. Le maintien à domicile demande qu'il y ait quand même un certain nombre de conditions de vie, d'aide, pour avoir des aides adéquates. Et donc, ces personnes sont délaissées et isolées, et ça, il y a une souffrance réelle. Bien, Madame Dupuis-Nomel nous signalait la souffrance réelle de certaines personnes âgées, isolées, ne jouissant pas forcément de conditions matérielles leur permettant d'assurer leur propre bien-être. Nous avons avec nous donc, retour sur le plateau, Maître Darlene Carter, pour nous entretenir d'une des possibilités dont les personnes âgées disposent pour s'assurer un minimum. On ne va pas dire de confort, mais en tout cas de bien-être et de conditions de vie minimales. Il s'agit de l'obligation alimentaire. Oui. Maître Darlene Carter, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous définir ce qu'est cette obligation alimentaire ? Si vous permettez, tout juste avant ça, je voudrais signaler que la Caisse générale de sécurité sociale, enfin le terme ne me contredira pas, a mis en œuvre depuis quelques temps des dispositions du Code de la santé publique ou de la sécurité sociale, dispositions précises ne me viennent pas à l'esprit, mais c'est le principe qui est intéressant, qui consiste à demander aux héritiers le remboursement d'une aide spécifique, spéciale, qui s'ajoute à l'aide de droit commun à partir du moment où la succession a dépassé, je crois, le 40 000 euros, on va dire ça comme ça. Et les gens s'affolent parce que souvent cette aide a été accordée en dehors d'eux, quoi, sans qu'ils aient été avisés. Et héritier d'un petit patrimoine minuscule, il panique parce que il y a des délais très, très stricts, je voudrais le signaler. Donc il faut aller voir un conseil, demander au notaire les mesures à adopter dans ces cas-là, puisque la Caisse générale de sécurité sociale a mis en œuvre ces dispositions, qui jouent même si les ayants droit, enfin les héritiers, n'avaient pas du tout souscrit avec leurs parents, et que même si les parents n'étaient pas conscients ou ne savaient pas qu'ils allaient être dans l'obligation via leur successeur, voire leurs héritiers, au remboursement de cette somme. Ça, je voulais le dire. Tout à fait. Alors, nous aurons l'occasion, nous, dans le cadre de les interroger directement sur cette disposition. Alors, en quoi consiste l'obligation alimentaire en général? C'est de l'argent, ce sont des sommes que l'on droit pour les aliments, au sens juridique, je m'expliquais sur le terme aliment, que l'on droit à un tiers, un membre de sa famille ou une famille élargie, comme c'est le cas pour les gendres, les beaux-fils, dans le cas de la pension alimentaire pour ascendants. Alors, la définition, elle est trouvée dans le Code civil, article 205, qui explique que les enfants doivent simplement des aliments à leur père et mère ou autre
ascendants qui sont dans le besoin, qui en ont besoin. Mais le terme aliment, ça ne veut pas dire simplement aller à Cora Hyper U où les déjeuners n'étaient aucun, donc pas de publicité, pour acheter à manger, pour acheter à manger plus bon. C'est pas simplement ça. Le terme aliment, c'est tout ce qui est indispensable pour vivre, nourriture, vêtements, logements, frais médicaux. Et ça coûte parfois très cher, et pharmaceutiques lorsqu'il n'y a pas une couverture sociale suffisante. Alors cette obligation à double sens s'applique aux parents, aux enfants et naturellement entre époux. Mais l'obligation là, dans notre cas, s'étend aux descendants par alliance, qui doivent assistance à leurs beaux-parents dans le besoin, si naturellement ils le demandent, mais pas eux seulement, parce que ça peut être le paiement de factures de l'hôpital, de la maison de retraite. La maison de retraite, l'hôpital, le tiers qui dépense pour l'hébergement, pour les soins d'un parent, peut demander aux descendants, ils ont une action fondée sur l'article 205 pour dire, écoutez, remboursez-moi les dépenses qui découlent de ce que j'accorde à votre père, à votre mère, à votre belle-mère et à votre beau-père, ce qui est difficilement acceptable. Pour bien comprendre, donc, je résume effectivement, on est tenu d'assister une personne âgée qui n'est pas forcément totalement dénuée de ressources, mais qui n'a pas forcément les ressources suffisantes pour vivre correctement. Ben là, on passe à l'autre paragraphe, au chapitre, qui est là, le mode de fixation et la contribution. On va revenir, mais alors, concernant les personnes qui sont obligées de verser ou de prendre en charge un certain nombre de frais, donc il y a bien sûr les descendants sont les enfants, pour parler simplement. Voir les petits-enfants éventuellement. Éventuellement. Et également ce qu'on ignore. En cas de disparition naturelle, en cas de disparition. Des parents. Éventuellement. Mais ce qu'on ignore également, ce sont les gendres. Et les belles-filles. Naturellement, donc, sauf en cas de divorce, ça va de soi. Divorcer de monsieur ou divorcer également de sa famille. De sa famille, donc on n'est plus dans la famille. Mais pas en cas de décès du mari ou du conjoint, ça recouvre mari ou épouse, dans le cadre de l'existence d'enfants, issus du couple. Dans le cadre de l'existence d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a un lien familial. La veuve n'est pas poursuivie toute sa vie par son obligation alimentaire si elle n'a pas eu d'enfants issus de ses ascendants. Voilà. Donc, si ma belle-mère est dans le besoin, je suis tenue de l'assister et de lui apporter cette obligation. Absolument. Et donc, qu'il s'agisse de son alimentation, de sa nourriture, mais également de ses soins de santé, de son hébergement. Tout ce qui est... Le terme aliment recouvre les dépenses nécessaires à la vie courante. Il faut vous préciser aussi que l'adopté à cette obligation à l'égard de l'adoptant. L'enfant adopté, y compris, alors, et vis-à-vis de ses parents naturels, c'est-à-dire je suis un enfant adopté, est-ce que j'ai des obligations vis-à-vis de mes parents biologiques? Si c'est une adoption plénière, vous avez complètement coupé votre... les liens. Mais une adoption simple, à mon sens, mais c'est à vérifier. Adoption simple, effectivement, le lien demeure avec la famille. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en cas d'adoption simple, je peux être tenu donc d'une obligation alimentaire vis-à-vis de mes parents adoptifs, mais également éventuellement de mes parents biologiques l'adoption n'a pas été plénière. S'il y a une concurrence des deux, je suppose que le juge va arbitrer dans les montants, je suppose. Mais c'est à préciser quand même, dans le cas de cumul des deux. Absolument. En matière juridique, c'est tellement spécifique, n'est-ce pas, mon cher maître? Donc, alors, bon, on imagine quand même que lorsqu'on voit son parent, son père ou sa mère dans le besoin. C'est ce qui se passait en Martinique jusqu'à maintenant. Voilà, la solidarité familiale très forte. Oui, très forte. Mm-hmm. C'est ce qui se passait. D'accord. Les choses évoluent. Les conditions sociales des uns et des autres ne sont pas forcément dans ce qu'on appelait la logique avant. Il arrive que des parents, des personnes âgées aient plus de ressources. Un portable par enfant, quatre voitures pour deux personnes, ça fait des frais qui nécessairement portent atteinte aux besoins alimentaires des grands-parents. C'est pas extensible. Très bien. Donc on peut supposer quand même qu'il y a naturellement une solution qui se trame au niveau de la famille, hein, entre les enfants, on prend en charge un certain nombre de dépenses, mais lorsque
il n'y a pas enfin, les enfants ne souhaitent pas ou n'ont pas la possibilité d'assister leurs parents, comment cela se passe-t-il? Le recours, c'est le juge, comme pour toute situation litigieuse. Mais je voulais préciser, dans l'inventaire que vous faites des acteurs, fait des auteurs, fait des gens qui peuvent mettre en marche la procédure, les administrations, je l'ai dit au préalable, je le précise, de plus en plus, on verra, comme on voit la caisse de sécurité sociale essayer de récupérer sur les successions supérieures à 40 000 euros le montant des sommes, l'aide spécifique qu'ils ont donnée aux retraités, à certains retraités, faibles retraités, pour qu'ils puissent justement subsister. On va voir de plus en plus l'administration, on va voir de plus en plus les ministères concernés, le ministère de la Santé, le ministère du Budget et des Finances, exiger la mise en œuvre de ces dispositions. Parce que c'est très facile maintenant avec l'informatisation, les déclarations fiscales de chacun, l'informatisation en général de la vie, de faire le listing de parental et ensuite avec les déclarations de succession. Simplement, et de récupérer. Ça sera surtout ça en priorité qui va. Et là, ça sera des mises en œuvre quasiment inexorables, quoi, et mécaniques de ces dispositions de l'article 205 du Code civil. Et donc, en cas de refus, naturellement, en cas de la saisine du juge pour qu'il puisse arbitrer, compte tenu des revenus de celui qui est débiteur de l'aliment, c'est comme ça que ça s'appelle dans notre jargon, et puis les besoins de la personne qui est créancière de l'aliment. Avant de nous attarder plus particulièrement sur ces conditions, on a parlé d'administration, il me revient en mémoire, c'est d'ailleurs très récent, une situation où une dame qui était hébergée dans une institution pour personnes âgées avait été mise à la porte de cet établissement pour cause de non-paiement l'institution aurait été fondée à actionner directement les enfants pour obtenir obligation alimentaire qui les oblige à absolument. C'est un cas de mise en œuvre possible de ces dispositions du code civil dans les articles 205 et suivants. Absolument. Tout à fait. Donc, l'hébergement, le fait que le parent soit hébergé en institution n'élimine pas cette obligation. Puisque là, c'était contestable. On n'a pas arbitré, on n'a pas à dire qu'elle pourrait ne pas conserver son habitat. Dans les petites fiches qui sont un petit peu annexes que je vous ai données au cours du reportage, pendant que le reportage est déroulé, vous allez voir qu'il y a une difficulté à déterminer le niveau de dépendance des gens. Donc on a fait une table avec des critères particuliers, quel est le niveau de dépendance, quel est le niveau d'autonomie des gens. Et par là même, cette table que je vous ai donnée, que vous connaissiez déjà, absolument, a pour objet de déterminer le montant des besoins des gens. Donc tout est très codifié. Et il faut devant le juge procéder à une analyse spécifique de la situation, parce que le code n'est pas tenu par ces tabulations, par ces critères. Tandis que là, la pension est à peu près de 2000 euros dans une maison de retraite privée, c'est ça, je crois, Environ, entre 2000 et 2500. Voilà, tout dépend du niveau. Selon, effectivement, le degré de dépendance. Voilà. Soit les autres parents concernés par le paiement, par la contribution à cette charge, la cotisation à cette charge, ou soit l'administration elle-même ou l'institution privée peut mettre en œuvre ces dispositions, parce qu'il n'y a pas, de monopole de cette possibilité accordée à l'un ou à l'autre des acteurs de la société civile, au public. Très bien. Donc alors, lorsqu'il y a besoin effectivement d'actionner la justice pour obtenir cette obligation, le versement de de cette pension alimentaire, comment doit-on s'y prendre? Très simplement, c'est possible. Le juge, de façon générale, le juge aux affaires familiales peut être saisi par simple courrier. Il est conseillé naturellement d'avoir recours à un professionnel. Un avocat qui connaît les méandres, qui connaît la façon de constituer un dossier, de le créer, d'y mettre les pièces, de faire la preuve de ce que l'on... Surtout la mémoire des procédures précédentes, ce qu'on appelle la jurisprudence, donc la connaissance de la pratique du tribunal et du juge, donc pour que ça aille beaucoup plus vite et puis accélérer le processus. Encore que la justice est tellement lente que je me demande qui c'est qui peut l'accélérer.
Dieu peut-être, et le pauvre, je crois qu'il avait ses débats. Gageons que notre garde des Sceaux prendra également des mesures en faveur d'une accélération des procédures. Là, vous me provoquez. Je vous dis que si elle passait moi nuit et jour à voter sur le mariage pour tous, on va attendre de trouver des sous pour les choses sérieuses. Alors, ne nous égarons pas. Revenons à des choses. Donc, il faut donc effectivement saisir le juge des affaires familiales, et ceci peut se faire par des moyens excessivement simples, une correspondance, une lettre qui est déposée ou qui est envoyée en recommandé, ce que je conseille toujours, avec accusé de réception, avec des documents probants, ses propres venues, la preuve des besoins, la preuve de la facture de la maison de retraite à laquelle on contribue, dont on contribue au paiement, si on est les. Et puis aussi l'adresse est précise de ceux qui doivent être cités pour participer à la procédure. Alors, je voudrais lever tordre le cou à un canard, comme on dit. Souvent, au sein des fratries, on a l'impression que l'aîné serait responsable de tout. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, l'obligation alimentaire pèse-t-elle sur un enfant en particulier? Non. Ou sur la totalité de la fratrie? Pèse sur la totalité de la fratrie en fonction des revenus de chacun et puis des besoins du créancier de l'aliment. Enfin, mm-hmm. Donc comment s'établit, comment s'évalue? Il n'y a pas de grille, mais le juge apprécie comme il apprécie pour les pensions alimentaires, comme il apprécie en fonction. Alors, on dit des chiffres, c'est entre 5 et 10%, mais c'est large comme fourchette. Le juge apprécie en fonction de la situation, en fonction du moment, en fonction de la nécessité vitale ou pas des dépenses avancées par le débiteur de la pension. Si il dit, bon, je ne veux pas donner à mes parents la pension parce que j'envoie mes enfants au sport d'hiver, et puis je les envoie en Australie au sport d'hiver, s'il y avait la neige si loin, voyez-vous. Donc, il faut être cohérent. Donc, le juge arbitre en fonction des véritable besoin, nécessité de la vie financière, budgétaire de celui qui invoque des arguments pour diminuer et les autres pour augmenter la demande d'aliments. Mmh, tout à fait. Est-ce que au cours, on imagine qu'effectivement, ce sont des parcours symétriques aux pensions alimentaires versées aux ex-époux, par exemple. Est-ce qu'il y a une possibilité de réviser en fonction de la situation. Mmh. Imaginez que le bénéficiaire de cette pension. Et un héritage, ou voir sa situation améliorée par l'augmentation d'une prestation, ce qui m'étonnerait. On va plutôt d'une prestation de retraite, on va plutôt vers la baisse. Mais ou que celui qui justement en est le débiteur, celui qui doit payer, s'il voit sa situation considérablement améliorée, mais généralement c'est parce qu'il a perdu son emploi, il est au chômage, il saisit le juge de façon aussi simple, en urgence, parce qu'il reste débiteur, et avec les conséquences pénales que ça a. Parce que la contribution, donc c'est vraiment une obligation. La contribution alimentaire est assortie de tout un dispositif, un attirail pénal pour contraindre à payer. Voilà. Et jusqu'à quand cette obligation est-elle valable? Quelle est la durée? Jusqu'à la mort de celui qui en est le bénéficiaire, jusqu'au divorce du conjoint. Lorsque c'est la belle-fille ou voilà, jusqu'au décès du conjoint, s'il n'y a pas d'enfant qui demeure. Et voilà, ce sont les trois hypothèses. C'est bien d'avoir un juriste avec soi, comme ça on est contrôlé, on est aidé. Hein? Donc effectivement, on voit une obligation à l'égal, hein, effectivement, de l'obligation de pension en cas de divorce, ouais. Donc qui effectivement est due par des personnes qui n'en ont pas forcément conscience. Hein. Un gendre ou une belle-fille peuvent être obligés de contribuer à l'entretien et au bien-être de son beau-parent, hein, de sa belle-mère ou de son beau-père, avec effectivement, dans le cadre de l'obligation, des sanctions si les pensions ne sont pas versées. Absolument. Voilà. Très bien. Bon, est-ce que c'est une pratique courante en Martinique? Je pense que jusqu'à maintenant, le département, pour employer un mot pompeux de mon cabinet, est plutôt penché sur les pensions alimentaires à l'égard
au profit des enfants ou au profit des conjoints et des conjointes. Donc statistiquement, il n'y a pas de comparaison. Mais je pense que ça a toujours existé. Il y a des hypothèses où c'est quand même demandé. De même que, vous pourrez en parler un jour, c'est le droit de visite des grands-parents au profit de leurs enfants. Alors, de temps en temps, ça apparaît, ça existe, c'est pratiqué. Mais ça n'est pas la pratique commune, générale. Il existe encore une certaine solidarité. Il existe aussi une mise en œuvre de l'aide sociale très généreuse. Parce qu'elle est accordée certainement de façon très politique, sans polémiquer. Quoi. C'est-à-dire que enfin, il y a quand même des critères très... Quand on vous l'a accordé, si l'administration, je dirais municipale, la plus proche, met en œuvre les dispositions qu'elle a pour récupérer les sommes qui sont versées, vous voyez bien que très vite, ça va se retourner contre eux. Et les grosses administrations ne le faisaient pas jusqu'à maintenant. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'avec la crise économique, il y aura une montée en pression et que de plus en plus, ces dispositions seront appliquées. Et puis, ça sera justice aussi. Puis, il y en est assez de assistanat intense. Il vaut mieux diminuer la cylindrée de sa voiture, avoir des caddies un petit peu plus petits quand on va au libre-service et puis donner à et manger, puis permettre être responsable de son père et de sa mère. Permettre à son père et à sa mère, effectivement, de vivre décemment. Sans vivre dans le luxe. Absolument. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, Maître Gérard Dorling-Carter, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Dans le cadre de Mahogany, nous aurons sans doute l'occasion de revenir et de préciser un certain nombre de choses au fil des questions que vous nous poserez. Bien entendu, Maître Untok Mustis, est-ce que vous avez des précisions, des observations par rapport à cette obligation alimentaire? Non, je pense que Maître Dorling-Carter a vraiment balayé un petit peu tout ce qui concerne l'obligation alimentaire et notamment les cas qui ne sont pas courants, le gendre, la belle-fille, et savoir que les beaux-parents, il faut qu'ils sachent aussi qu'eux, ils peuvent subvenir aux besoins de leur gendre ou de leur belle-fille de leur côté aussi. Par contre, il y a une chose très importante que Maître Dorling-Carter a dit au début, c'est justement donc, la demande qui est faite souvent par les organismes qui prêtent donc, ces fonds aux personnes en difficulté de restitution au décès. Donc souvent, les enfants n'ont pas cette information. Ils voient bien que leurs parents sont aidés financièrement parce qu'il y a une femme de ménage qui vient, il y a quelqu'un qui vient les aider pour les besoins de la vie courante, qui ne peuvent plus, voilà. Et ils ne se rendent pas compte de l'importance et vraiment du danger, entre guillemets, qu'il y a après au décès. Parce que souvent, ils se retrouvent à devoir faire un prêt ou autre pour pouvoir rembourser. Parce que comme il y en a un qui m'a dit, oui, mais maître, mes parents m'ont laissé une maison, elle ne fait pas d'argent. J'ai dit, oui, mais... On vous demande de rembourser, donc il faut voir avec l'organisme les modalités de remboursement. Donc c'est vrai que c'est peut-être très important de soulever ce problème qui est de plus en plus fréquent. Qui est de plus en plus fréquent, absolument. Oui. Je vous rappelle, nous en parlons souvent dans Mahogany, d'ici une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, plus de 30% de la population de la Martinique aura plus de 60 ans. Sans parler du poids économique que cela va représenter, au sein des familles, il convient de s'organiser dès à présent, le plus tôt possible, pour préparer les conditions de son vieillissement. Alors, c'est donc de cette préparation au grand âge que nous allons nous entretenir avec Maître Catherine Untok-Mustis après ce petit jingle de droit et démarche. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Bien, Maître Catherine Untok-Mustis, donc nous l'avons vu, mieux vaut s'y prendre à l'avance pour préparer ses vieux jours et pallier éventuellement à tout problème de nature financière qui, ajouté à certaines pathologies ou certaines défaillances, peuvent avoir des conséquences extrêmement graves dans la vie des différentes personnes. Alors, certaines personnes, et nous encourageons tout le monde à le faire, peuvent d'ores et déjà, quel que soit leur âge, prendre des dispositions pour l'avenir, pour le futur, et prévoir, en allant chez son notaire, recueillir conseils et informations et mettre en place un certain nombre de dispositions. Alors, nous avons sélectionné un certain nombre de petits cas pratiques, de petites situations qui peuvent être le fait de chacun d'entre nous. Nous commençons par la première situation, donc c'est le premier cas pratique. Nous revenons après pour vos explications. Jean fêtera le mois prochain son 80e anniversaire.
Il se sent en forme et en pleine possession de ses moyens. Mais il redoute l'avenir car il garde un souvenir très difficile des dernières années de vie de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il souhaite donc tout organiser au mieux pour que son patrimoine et son quotidien soient gérés conformément à ses volontés en cas de problème. Très bien, donc Jean souhaite s'assurer qu'en cas de défaillance physique ou mentale, il puisse continuer à vivre enfin, avec le maximum de bien-être. Quelles sont ses possibilités de prévoir une situation dégradée? Donc il est vrai en fait que l'allongement de la vie, on vit de plus en plus vieux en fait, c'est très bien pour nous. Mais malheureusement, on se rend compte qu'avec le vieillissement de la population, il y a beaucoup plus de personnes qui sont Alzheimer, qui perdent donc leur capacité. Donc souvent, on a fait une procuration au profit de ses enfants pour qu'ils puissent nous assister, signer des actes juridiques tels que des baux, des ventes ou autres. Donc pour nous assister un petit peu dans la vie courante, outre les comptes bancaires. Mais malheureusement, ces procurations générales ou ciblées dans un cas bien précis sont souvent donc, n'ont plus d'effet quand on n'a plus ses facultés mentales. Donc la loi a permis depuis donc 2009 de pouvoir pallier à cet inconvénient avec le mandat de protection future. Ce mandat, donc une petite définition très simple, c'est un simple écrit qui vous permet de prévoir si jamais vous perdez en fait votre capacité. Donc vous n'avez plus la possibilité d'acter vous-même, de pouvoir faire les actes juridiques, de prévoir donc par écrit, par avance, la personne qui va vous représenter dans vos actes patrimoniaux. C'est-à-dire que je crains d'avoir des déficiences au plan mental. Je vais donc voir mon notaire et je désigne une personne qui me représentera au cas où cette défaillance arriverait. Tout à fait. Donc, c'est le mandat de protection future. Le mandat de protection future, tout à fait. Mmh. Il peut être aussi sous sein privé. C'est-à-dire qu'il peut être simplement rédigé de la main de la personne. Dans ce cas, il y a le ministre, vous pouvez aller donc sur le site où il y a des exemples parce qu'il y a un cadre bien précis à remplir. Mais il faut faire en même temps très attention. Il est plutôt conseillé d'aller voir un professionnel qui pourra vous expliquer en fait les avantages de cet acte ou alors rédiger devant un notaire où ce que vous souhaitez vous sera expliqué, vous saurez comment faire, qui mettre dans l'acte et comment le faire. Parce qu'il faut aussi un intérêt de pouvoir nommer cette personne. Donc alors, le notaire est à même de le faire. Est-ce que je sais qu'à un moment, il y avait des petites bisbilles entre notaire et avocat, pas sur notre plateau, mais concernant un certain nombre de domaines d'intervention. Donc, vous l'avez précisé, ce mandat de protection future peut être établi sous sein privé, c'est-à-dire, bon, je décide, moi, qu'au cas où je n'aurai plus mes facultés, telle personne me représentera. Donc, j'écris un texte, un petit mot, que je laisse ou que je confie à une ou deux personnes, pour dire telle personne me représentera. L'avantage qu'il y a à aller chez un professionnel, c'est de savoir quelles sont les conséquences hein, de cet engagement, qui il est possible de désigner et quelle étendue de pouvoir on peut accorder à telle ou telle personne. Tout à fait, parce que notamment le mandat authentique, donc de fait devant notaire, vous donne un pouvoir plus large. Vous pouvez donc notamment donner un pouvoir à cette personne de pouvoir vendre vos biens. Il faut que la personne aussi intervienne à l'acte que vous faites. Donc à ce contrat écrit, il faut qu'elle intervienne pour accepter sa mission. Donc les deux personnes doivent être capables à ce moment-là. Il ne faut pas attendre d'être sur un lit d'hôpital ou de se dire bon, « ben, je commence à perdre la tête, je ne sais plus ce que je dis, tout le monde me répète que j'ai peut-être un début d'Alzheimer » pour faire l'acte, parce qu'à ce moment-là, il pourra être contesté. Donc c'est vraiment quand on a sa pleine capacité, et notamment quand on a un patrimoine important ou on a des risques, on a une entreprise qu'on veut faire perdurer, donc on fait ce mandat pour le cas où on ne sera plus apte à prendre les décisions importantes. Il faut que ça soit agréable, il faut qu'il y ait deux parties qui intéressent. Oui. Donc c'est un contrat. Oui, tout à fait, c'est un contrat, tout à fait. C'est pas comme un testament ou c'est une simple déclaration. Non, il faut qu'il accepte la mission, puisque ce sera lui l'élément déclencheur. Ce sera en fait la personne que vous avez choisie, puisque une fois que vous n'êtes plus apte, vous ne pouvez pas faire acter ce document. Donc ce sera cette personne en fait qui sera chargée quand elle se rendra compte que vous n'avez plus cette capacité et que vous lui avez donné ce pouvoir donc de la représenter. Donc d'aller chez un médecin, donc il y a une liste bien sûr qui est bien sur laquelle il faut se référer,
aller voir un médecin donc pour avoir un certificat médical et ensuite aller devant le greffier du tribunal d'instance avec vous si vous avez la possibilité de vous déplacer ou donc le médecin explique que vous n'avez pas cette possibilité. Donc aller devant le greffier avec soit donc l'acte sur sa privée, soit la copie authentique faite devant le notaire pour acter justement et commencer faire donner effet à ce mandat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le greffe aura reconnu votre qualité donc, de mandataire, vous aurez la possibilité d'intervenir dans tous les champs qui auront été définis dans ce mandat pour, au nom de la personne désormais incapable. Tout à fait, c'est bien ça. Et le greffe peut tout à fait aussi refuser parce qu'il estime que le mandat n'est pas convenable, il n'est pas bien fait ou ne respecte pas donc, la sécurité de la personne. Parce que c'est aussi pour protéger cette personne. Donc, il est refusé. Donc, à ce moment-là, il faudra avoir le juge, il faudra actionner. Tout à fait. Je suppose le juge d'affaires familiales, naturellement. Quelles sont les personnes qui... On suppose que les personnes, les mandataires, doivent elles-mêmes, eux-mêmes avoir, remplir un certain nombre de conditions. Bien sûr, il faut déjà être majeur. Il faut aussi avoir sa capacité. Vous ne pouvez pas nommer dans un mandat quelqu'un qui n'a pas elle-même sa capacité puisqu'elle ne sera pas apte à vous représenter. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette ou une évaluation du coût que cela peut représenter si on va chez un notaire? Non. Alors, c'est pas non, c'est simplement que pour en fait le bénéfice entre guillemets qu'on a à la fin, il ne faut pas regarder le coût. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça. C'est pas, je désigne la personne et puis une fois que je suis plus apte, super, ben, elle va me représenter dans... Cette personne aussi, elle est l'action. Elle est responsable des actes qu'elle va amener. En outre, elle a non seulement un bilan patrimonial à faire, un inventaire de tous vos biens qui est vraiment important. Et si c'est un acte notarié, elle a l'obligation de transmettre ce bilan donc, de façon récurrente au notaire qui aura un contrôle sur ce bilan. Donc, vous voyez, donc, il y a quand même un travail donc, tout au long du mandat. Donc, ce n'est pas seulement la rédaction de l'acte. Il y a ensuite un travail a posteriori. De contrôle. Le poids que met le notaire, qui est un officier ministériel, dans l'appréciation de la situation. Si, absolument. Si ça sent l'arnaque, s'il est juge à des visu de l'état de capacité mentale de ce, du mandant, celui qui donne le mandat. Ça se pèse, ça. Ça donne une sécurité énorme à l'acte. Tout à fait. Absolument. Il est aussi responsable derrière. Très bien. Vous avez eu l'occasion d'en faire dans votre pratique Non. Non, oui, c'est très rare. C'est très rare. Oui. Je découvre ça, juriste. C'est vrai. C'est un élément effectivement important puisqu'on constate, vous l'avez précisé, qu'avec l'allongement de la vie, l'apparition et la multiplication des pathologies neurodégénératives, ça peut être Alzheimer ou n'importe quelle démence, effectivement on peut, si on a eu le cas dans son entourage, voir que il arrive un moment où il faut savoir passer la main et que quelqu'un prenne en charge vos propres intérêts. D'où l'intérêt, effectivement, de ce dispositif novateur, mais qui est peut-être appelé à se développer, malheureusement. Si je peux dire un mot, ça vient aussi pallier la lourdeur du mécanisme antérieur qui permettait un conseiller de famille, tutelle, curatelle, oui, une procédure qui est plus longue, lourde. Une machine à gaz, quoi, une usine à gaz. Oui, c'est pour ça que ça a été créé, justement, pour pallier à ces inconvénients. Nous voyons un deuxième cas de figure, donc c'est notre cas pratique numéro 2. Jean-Louis et Michel viennent de se marier. Auparavant, ils ont tous les deux eu des enfants dans leur précédente union. Ils souhaitent aujourd'hui se protéger l'un et l'autre en cas de décès, sans pour autant désavantager leurs propres enfants. Alors, comment lorsque, c'est le cas également de plus en plus aujourd'hui, en cas de famille recomposée, les deux conjoints vieillissent et souhaitent se protéger l'un l'autre pour l'avenir sans léser les enfants. Donc il y a plusieurs manières en fait pour le conjoint, notamment au niveau du régime matrimonial, c'est-à-dire je me suis mariée comment, si je me suis mariée sans contrat donc en communauté ou avec un contrat, par exemple la séparation de biens, ce sont les deux contrats les plus courants, les plus usités. Donc à ce moment-là, on peut changer de régime matrimonial, adapter donc son régime à sa situation familiale et patrimoniale. Donc là encore, on sera conseillé donc par le notaire qui va vérifier, parce qu'on vérifie d'abord l'intérêt de la famille. Ce n'est pas l'intérêt simplement du couple, mais de la famille. Au-delà de ça, notamment au niveau des familles recomposées, donc si la loi a changé les droits du conjoint survivant et les a énormément augmentés, malheureusement dans ce cas-là, où on n'a pas toujours donc les enfants
même si on a des enfants avec son conjoint, mais on a des enfants antérieurs, par exemple, monsieur décède, il avait déjà des enfants d'un premier lit, même s'il en a eu avec son épouse, dans ce cas-là, n'a droit à un quart en pleine propriété. C'est vrai que c'est beaucoup plus important qu'un quart en usufruit, comme à l'époque où c'était, comme on disait, de la peau de chagrin. Un quart en pleine propriété, c'est quand même important. Dans un patrimoine de 400 000, on a quand même droit à 100 000 euros, c'est pas rien. Malheureusement, souvent, on ne sait pas qu'on n'a pas de droit en usufruit. Donc, dans ce cas-là, la donation entre époux permet de pallier ce genre de entre guillemets, d'inconvénients, puisque la loi n'a pas voulu laisser souvent le conjoint les plus jeunes, laisser un conjoint jeune qui a des fois le même âge que ses propres enfants, rester avec eux, ben, il va rester là toute sa vie, utiliser les biens. Donc, nous avons donc la possibilité de faire une donation entre époux, et ça même dans le cas où la loi prévoit que le conjoint, les conjoints, ils ont les mêmes enfants, donc ils ont le choix entre l'usufruit du tout ou le quart en pleine propriété. Même dans ces cas-là, il est parfois important et nécessaire de faire une donation entre époux, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la donation dernier vivant, et permet donc de donner plus que ce que la loi, ou autre chose que ce que la loi vous donne. Donc d'augmenter un petit peu les droits du conjoint survivant. Donc la procédure en ce cas-là, quand on souhaite faire une donation entre époux, donc on se rend chez son notaire. Tout à fait. On lui explique donc sa situation familiale et patrimoniale, parce qu'il faut vraiment voir les deux en même temps. C'est une protection aussi de la famille, d'abord du conjoint, mais de la famille aussi en elle-même, pour ne pas léser les enfants du premier lit. Et ensuite, donc, le notaire donc, vous propose soit donc, de faire donc, une donation la plus large possible. Vous pouvez donner à votre conjoint un quart en pleine propriété et l'usufruit du reste, soit lui donner simplement de l'usufruit. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire aussi un testament. Si vous ne voulez pas que le quart que la loi lui donne lui soit transmis en fait, à votre décès et parte dans une autre famille que celle de vos enfants. D'accord. Alors, la donation entre époux est-elle révocable? Oui. C'est-à-dire que, on est bien, on est très bien, on prévoit pour son époux, son épouse, puis finalement, y a une petite bisbille ou peut-être que les enfants sont intervenus, ont des difficultés. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de revenir sur cette donation? Tout à fait. C'est comme pour les testaments. Vous faites un testament dans lequel vous donnez des droits à votre époux, parce que c'est une autre manière de faire. La donation entre époux aussi, elle est révocable. À n'importe quel moment, dès que vous avez vos facultés mentales. Il ne faut pas attendre donc, d'être sur un lit d'hôpital pour dire « Oups !» Oui, cette notion de capacité mentale est très importante et permet de protéger la personne elle-même. Et il faut savoir aussi, souvent ce que les gens ne savent pas, « Oui, mais j'ai intenté une action judiciaire. » Oui, mais c'est toujours votre conjoint. Donc, si vous décédez pendant l'action, malheureusement, pour vous, puisque si vous voulez notamment le déshériter, si vous n'avez pas fait l'action, si vous n'avez pas fait la démarche, il sera toujours votre héritier. Donc, si vous décédez entre-temps, ou lui décède entre-temps, il va hériter de vous après, malgré l'action que vous avez mise en place. Très bien. Donc, sur la donation entre époux, je crois qu'il y a une petite caractéristique aussi. C'est une donation. Alors, les deux personnes sont concernées, comme dans le cadre du mandat de protection future. Est-ce que les deux personnes, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la donation et celui qui recevra la donation, doivent être présents? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Contrairement au testament où c'est la personne qui fait le testament, donc qui rédige son testament, soit par le notaire, soit par lui-même, donc écrit de sa main, doit le faire tout seul. Voilà, on l'écrit tout seul. La donation entre époux, elle doit être bien sûr acceptée dans l'acte. Donc ce sont les deux époux qui signent la donation entre époux. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir. Nous tenterons d'y répondre au cours d'un prochain numéro de Mahogany. Une dernière possibilité, puisque l'émission arrive à son terme, une dernière possibilité de se réserver un patrimoine supplémentaire en vieillissant, c'est le viager. Oui. Donc, la vente en viager, souvent, on se dit, bon, ben, super. À mauvaise réputation. Oui, surtout quand on passe à Jeanne Calment, qui est morte à plus de 122 ans. Donc, celui qui a fait l'acquisition, il a plutôt regretté, ainsi que ses héritiers. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous... Quelques mots rapidement, c'est simplement que je vends mon bien à une personne. Donc, lors de l'acte de la vente, donc, au départ, elle doit verser certainement un bouquet, c'est-à-dire une somme d'argent qui correspond au prix de vente. Il ne faut pas penser que je vends à perte, non. Il faut tenir compte du prix de vente, des revenus, de l'âge de la personne qui vend. Et donc, cette personne, l'acquéreur, va verser donc, tous les mois ou tous les trimestres une certaine somme à celui qui vend.
et c'est jusqu'au décès donc, de la personne. C'est-à-dire ça que être... ça permet de... Bon, on vend sa maison, mais oui. on peut y demeurer. Tout à fait, oui. Moyennant donc le versement d'un loyer jusqu'au décès. Non, c'est-à-dire qu'on fait un viager occupé. C'est-à-dire que vous restez, donc ça diminue en fait la valeur que doit payer l'acquéreur. Voilà. Très bien. Le viager peut également être... inoccupé, c'est sans doute pas le terme approprié, mais la personne peut aller en institution et le statut de viager demeure. C'est-à-dire que l'acquéreur verse de toute façon tous les mois jusqu'au décès du bénéficiaire cette somme. C'est le décès qui va arrêter donc, les paiements. Très bien. Donc, c'est une autre possibilité de compléter ses revenus lorsqu'on est soi-même à la retraite et donc qu'on dispose donc d'un patrimoine, enfin d'une maison, d'un bien immobilier. Oui, mais il faut faire attention parce que déjà, ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui va acheter donc, votre maison et devoir payer comme ça tous les mois. Il faut savoir aussi qu'entre parents et enfants, il faut faire attention parce que dans ce cas, il y a un risque de considérer que le bien reste dans le patrimoine de celui qui a vendu son bien. Donc, il faut faire très attention, prendre les précautions. On demande l'intervention notamment de tous les héritiers à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose de plutôt compliqué, d'assez lourd. Donc, il faut quand même se renseigner avant de partir en disant « Super, j'aurai un revenu supplémentaire. » Ce n'est pas si évident que ça. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein. J'ai été très heureuse de recevoir ces deux professionnels du droit que vous êtes. Hein. Maître Gérard Dorline Carter, avocat. Maître Catherine Huntock, mustis, donc déléguée à la communication de la Chambre interdépartementale Guyane et Martinique. Des notaires, la chambre qui organise très prochainement une manifestation publique. Tout à fait. Donc le 14 mars à Batelière, nous avons la loi de finances avec donc les experts comptables, les commissaires aux comptes. Donc comme tous les ans en fait, nous invitons le public à venir avoir les informations au niveau fiscal cette fois-ci sur les différents actes de la vie. Très bien, ben je vous remercie, merci beaucoup. Nous nous retrouvons quant à nous dans une quinzaine de jours puisque mardi gras, nous ferons tout autre chose que parler dans le poste. Absolument, même si ce fut fort agréable. Donc nous nous retrouvons dans une quinzaine de jours, à très bientôt, merci.